Oh, je veux comment pour quitter le truc là devant. Tu t'appelais Otake? Oui, Otake. C'est marrant ça. C'est une parodie à mon nom. Salaud. Je suis Otake. Ouais, bref. Alors, métier. On peut se mettre gangster. Gangster. Je suis plus admin sur le serveur. J'ai quitté le staff depuis un bon nombre de mois. Excuse-moi, garçon. Nous cherchons nos frères. Sais-tu où ils sont? Non, désolé. Ah, c'est pas grave. Merci quand même. Bonne journée à toi. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Il est poli. Franchement, ouais, c'est bien. Ah, bonjour. On cherche nos frères chinois. Vous êtes par là? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes calibré déjà? On vient d'arriver dans la ligne. Est-ce que vous êtes calibré? Bon les gars, vous êtes chaud ou pas? On fait des petits trucs. On est chaud. Allez go là-bas. Mais ouais, ils jouent en réunion, genre les mecs ils sont à table. Les gars, pourquoi t'as un maillot rouge? C'est horrible. Par contre, t'es derrière moi là. Mais t'es content. Bah rien du tout, je me réveille. Bougez la porte, s'il vous plaît. Bougez la porte. En plus, tu m'as volé un petit peu de billets. Mais arrête de me frapper, toi. Je peux plus survivre, là. Il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai fini, tu m'as tiré. Bah, c'est quoi? C'est ce que j'allais dire. On allait même penser, MDR. Oh, j'ai pas envie d'être avec eux, ils sont moches, là. Ils ont un micro des années 80. Bien pire, on va essayer de se cacher et de se mettre en mafieux. Ah, ok. Parce que peut-être que les mafieux seront meilleurs. Tiens, excuse-moi, garçon. Au chapeau noir. Bonjour monsieur. Monsieur Chapenard, vous savez où ils sont nos autres frères ou pas? Bah écoute les frères, je les ai pas remarqués depuis hier. Ah, ils font main basse? C'est ça. Ah. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? Salut. Ah ouais. Choper, toi. Bah j'ai trouvé ça par terre. Mm-hmm. Bah je sais pas, j'ai trouvé ça dans un appartement abandonné. Bah je vais le donner à la police, hein, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Bah faites attention parce que ces petits engins ils sont dangereux, s'ils retrouvent vos empreintes ou autres ils peuvent vous arrêter parce qu'ils penseront que ce soit vous. C'est ça. Bah moi j'ai juste regardé ce que c'était mais je sais pas trop. Bah faites attention quand même si on retrouve pas vos empreintes. Hein. Je peux quand même avoir une petite récompense pour vous avoir donné ça. Je reprends et puis Bon si vous avez besoin de pipi vous venez chez moi. Bah moi j'arrive. Des pipiou? Clairement, je veux des pipiou. Ah, venez alors. C'est des bons jouets pour vos enfants. Ah. Bon, je vais vous demander de venir un par un, s'il vous plaît. Ah non, vas-y. Après, je vais mettre des chaises et tout, ça sera plus convenable. Bon, bah, monsieur, je vous souhaite une très agréable journée et que vos enfants s'amusent avec ces pipiou. Ah, vous aussi. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Salut le cowboy. Oh, j'en sais rien. Bonjour, mes petits monsieur, s'il vous plaît, on est refait. Bonjour. T'es encore ouvert, désolé. Ah, bah, faites-moi un drive. Ah, un drive. Je vais le braquer. Non, je vous ai entendu, hein. Et nous, on le connaît pas. moi, j'aimerais bien braquer la banque, mais le problème, c'est que la banque, je sais pas si on peut la braquer comme ça. Arrête d'activer ton micro, parce que je m'entends. Bon, c'est un réflexe. Je m'entends en double, et des fois, ça dévoile tous les plans, tu vois. C'est pas ouf. Hacking in progress. C'est pas bon, ça. Fais trois collègues. Je sais pas, je crois que je viens de faire une bêtise. T'as fait quoi? Hacking in progress. Ça veut... Enfin, pense pas que ça veut dire... Oh. Je crois plutôt que t'es en train d'hacker la banque en fait. Ah, j'ai juste appuyé sur l'écran. Oula. Ok, vite. Bon. What? Vous avez un peu d'argent sur vous ou pas? Ouais. Eh, vous êtes nouveau, ça se voit. Oh là là là. Bon, je vais vous expliquer. En fait, tu peux qu'on achète des drills. Moi, j'ai plus de sous sur moi. Oui, ça part. Et tu le mets dedans. Voilà. C'est comment? Bien joué, Bogot. Non, t'attends. Bien joué, Bogot. Par contre, attendez-moi devant la banque. Je vais chercher ma voiture. Vas-y. Achète un drill, tu fais F4, quantité, et t'achètes un truc qui s'appelle drill. Moi, j'ai mon sac dans le dos, va falloir que tu m'ailles tout là-bas. Mon premier bagage. Je coupable d'infraction civile. Je maintiens E dès que c'est ouvert. Je crois que c'est tout, non? C'est bon. Y'a qu'un sac? Y'en a deux sacs. Non, y'en a deux. Bon, bah, facile, alors on fait moite-moite pour les. Moi je fais moite-moite avec Tristan et l'autre il fait moite-moite avec avec l'autre. Allez maintenant tout le monde va me donner ses gains là, tout de suite. Non je rigole. Tranquille. J'ai cru en plus. Ouais, bah t'as fait 14 000 avec moi alors. Non vas-y donne-moi juste 10 000 au pire, je te laisse On va Vous voulez faire une petite PO ou pas la gueule? Faut aller. Ah comme moi je vais y aller. C'est quoi une PO? Je vais y aller.
je vous explique juste, vous je vous explique de nouveau. On prend, allez, deux otages. Et c'est 15 000 par tête, maximum. Ouais. Donc ce qu'on va faire, okay. Il va vérifier, on va devoir appeler un dieu. Parce qu'à chaque prise d'otage, on est obligé d'appeler un dieu. Oui, juste au cas où. Ça, voilà. Voilà, voilà. Et après, il va vous expliquer. Pourquoi faire. Ah, déposer. Bah parce que voilà, mais après c'est un peu con vu qu'on vient. Vu que c'est pas, on va prendre deux otages. Moi je dis c'est bien, ça va faire 30 000. Donc vu qu'on est 4, 30 000 divisé par 4. Je vous laisse calculer. Ça fait 5 000. Ouais. Non. Non. Non, non, non. J'ai pas calculé. 5 200. 5 250. Oh, tu casses les couilles. Ah oui, 5 250. Voilà. 5 250 par terre. Par terre. Bon, ça va, ça va. Parce qu'en plus je dois y aller donc. De toute façon, si je meurs, je m'en fous. Vas-y, ce que je vais faire, je vais vous déposer dans une baraque. Laquelle vous vous sentez à l'aise là pour faire un carnage là. Là déjà à gauche, là où je pointe ma voiture, je vais faire une protection, ils vont pas passer par là. Par le jardin, ils pourront pas passer. Ils ont pas droit d'escalader. Là, on en met un. On fait genre qu'on est dans l'intérieur. Voilà, on parfait le plan. Ok, on est un ou deux à l'intérieur. Et genre, il y en a deux autres qui se cachent. Allez. Extérieur, ceux qui ont les meilleurs shoots, bien sûr. Ouais, moi parce que moi, ceux qui sont à l'intérieur, ils devront tuer. T'as un beau shoot. Ouais. Aïki, moi aussi. Aïki. Moi. Ok. Bah moi aussi j'ai un excellent shoot, mais je reste à l'intérieur au cas où pour négocier et tout. Donc ok, donc vous deux, je vous laisse vous cacher. Faites votre planque. Voilà, pour je vous laisse gérer. C'est à vous de gérer les gars. Je récupère toute la thune et après dès qu'on se casse, t'inquiète, je vous donne même ma part. Parce que moi je suis assez riche dans cette ville. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire. Donc vous deux, allez vous cacher. On va se mettre en face. Allez vous cacher tranquille. Okay. Maison en face tranquille ou. Par contre, écoutez-moi. Par contre, ouais, à maison en face, carrément, si vous voulez. Par contre, ça va prendre du temps. Tant que je prenne les otages, je fasse la protection. Bah, la protection au pire va te faire enculer. Je prends juste les otages. Je fais un dispositif pour caler les otages. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Soit vous voulez faire avec moi. Au début et voilà ou... Non, par contre non sinon ça c'est mieux qu'on commence direct vous deux à aller vous cacher. Ouais, voilà, bien joué. Donc allez-y. Je vous laisse. Vous avez besoin de pizza? Non, quelque c'est bon, chose j'en ai. Bon bah je vous appelle au téléphone. Vas-y, Tristan. Otaku, je t'appelle. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça c'est le petit bœuf bourguignon. Et faut pas oublier le beurre hein, dedans. Et un couteau. Et le couteau. Oh, j'ai une super idée. Vas-y. En fait, vas-y. Ce qu'il faudrait, c'est que la voiture, ils viennent la planquer ici. Et on fait style, on a deux otages là-bas, sauf qu'en réalité, ils sont dans cette planque. Et donc, quand les flics, ils balancent l'assaut, nous, on se barre par là. Bah ouais, mais du coup, ça serait abandonner nos collègues. Mais non, justement. Non. Eux, ils sortent par le petit côté, par la petite porte du jardin. Nous, on snipe les flics au cas où. Et eux, ils foncent dans la voiture. Nous, on passe sur le côté pour aller les... Okay. Pas bouger hein, main en l'air, peau de lapin. Une fois qu'on a l'argent bien sûr. Pas mal, ça j'aime bien. Bon c'est bon, plus que plan. On a deux otages, plus que plan. J'ai un plan à Dieu. Explique juste à toi Tristan, je lui ai déjà dit au téléphone. Vous rentrez, dès qu'il y a écrit dans le chat, la police lance l'assaut. Dès que vous voyez qu'il commence à rentrer chez nous. Vous venez par derrière et vous les butez. Et dès que je vois que vous commencez à tirer, bonne chance, je rentre dans le tas aussi. Je vous laisse pas tout seul. Ok. Ouais, ça voilà. De toute façon, je t'envoie un message. C'est toi qui as ouvert un truc? Non. Regarde derrière toi s'il n'y a pas une cage qui s'est ouverte. Ah, ouais, mais il est parti le mec. Un petit signal par exemple avec nos lampes torches pour qu'il. Il y en a un qui est parti. Ouais. Il y en a un qui est parti. Ouais, le mec qui est parti, il est. Il est pop. Il est passé par le garage. C'est barré. Et on rattrape, Il y a un otage qui s'est barré. Bah je l'attends au. Tu l'es. Ryan, il y a un otage qui est parti. Ryan. Vous l'avez retrouvé? Ouais. Bah non. Attends, avec vous collez. Attends. C'est pas quel bruit. T'inquiète. Tiens, déjà 20 000. On va faire 20 000 avec chacun. Mec, je viens de te donner 100 000. Ouais, je vais partager. Ça fait plus de 100 000 par personne. Il a donné combien, le gentil monsieur? Peut-être 100 000, mais en tout... 700 000. Ah, il m'a donné 20 000. 800 000. Thank you. Au-delà, t'as beaucoup d'argent, toi. Tiens, vas-y, maintenant, je vais donner 100 000 par chacun. Après, je vais partager encore. Rien après. Oui. Bon, bah, les gars, c'est bon, bah... Ouais, c'est bon. Merci encore, Jean. Ah, non.